Bon vendredi tout le monde, cette semaine du Frais la Coupe fait un blanc et cette semaine je fais quelque chose que ça fait un petit bout que j'avais pas fait, je retourne en vin canadien. Ici on a la maison Quell's Gate qui fait un Gewürztraminer 100% à 13,5% d'alcool et étonnamment avec seulement 10,8 grammes de sucre au litre. Pour un Gewürztraminer c'est quand même très 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 bon quand on sait qu'il y en a certains qui vont chercher jusqu'à 26, 27, 28 grammes de sucre au litre. Si on y va au nez, on a un nez qui est quand même moins expressif un peu que ce qu'on a d'habitude, mettons en Alsace, des trucs comme ça. On va vraiment plus sur la minéralité, un petit peu plus sur le côté hydrocarbure, le latex. Je vous dirais tout de suite que c'est un vin qui est à pas servir trop froid non plus. On va chercher des arômes un peu légèrement de rose, mais ça fait beaucoup plus penser à quelque chose qui s'est plus près d'un Riesling que d'un Gewürztraminer, mettons alsacien. On y va en bouche. En bouche, c'est clairement Gewürztraminer. On a le gras, on a la mâche. On a tous les fruits qui viennent ressortir un peu. La minéralité qui pogne à la fin. Vraiment un super beau produit canadien à découvrir. C'est d'ailleurs une très belle maison. Ils font beaucoup de cuvées différentes. Quell's Gate, 100% Gewürztraminer, c'est la cuvée 2015. Ça vaut 19,95$ présentement à SEQ. Juste vous mentionner aussi qu'on a eu le retour officiel du Mestres, le Cava 13-12, qui est à 21,15$ de mémoire. Faites-vous-en des provisions pour le temps des fêtes. C'est vraiment un Cava exceptionnel. C'est quelque chose qui a fait 18 mois en barrique. C'est incroyable comment vous allez avoir de la matière puis de la mâche en bouche pour un Cava de ce prix-là. Vraiment, dépêchez-vous. Nous, au Galerie Capitale, on a vraiment eu une grosse commande. Donc, venez nous voir. Venez vous faire des recommandations pour Noël. Si jamais vous voulez avoir des idées cadeaux pour Noël, n'hésitez pas à m'écrire non plus sur la page Facebook de Dufresne à la Coupe. On va se revoir seulement en janvier où je vais faire, comme d'habitude, toujours mon top de mes coups de cœur de 2017. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos suggestions si jamais quelque chose d'autre que vous voulez que je déguste dans la prochaine année. C'est quelque chose que j'ai pas touché, un pays que vous voudriez que j'aille goûter pour vous. Ça va me faire plaisir. Donc, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Je vous souhaite une belle fin d'année 2017. Et on se revoit en 2018. Bonne fin d'année. Bonne dégustation. À l'année prochaine.